Mesdames et messieurs, vous venez de suivre le change entre les deux chefs d'État ici, du lancement des programmes, des systèmes, des passations des marchés. Projet de loi portant reddition exercice en 2021 au centre de la plénière de ce mardi 18 octobre 2022. Nous allons vous laisser, très chers téléspectateurs, fidèles, abonnés de votre groupe de médias Top 243 News Télévision, mais également sur www.top243news.com. Merci pour votre attention. Nous allons vous laisser suivre ces déroulements de la plénière ici pour ce mardi. Et non comment, on va juste revenir après pour vous donner les temps forts de cette séance plénière. C'est avec beaucoup d'intérêt que j'ai suivi les différentes interventions, aussi pertinentes les unes que les autres et surtout très légitimes. Et je vous en remercie. Ces différentes interventions appellent de notre part un exercice de préparation clair et détaillé afin de les rencontrer. Et quelques heures, malheureusement, ne suffiraient pas pour ce faire. Donc, ainsi qu'il plaise à votre auguste plénière, honorable président, mesdames et messieurs les membres du bureau, de nous accorder humblement 48 heures afin de pouvoir revenir et réagir à toutes vos préoccupations. Je vous remercie. Après avoir présenté ces projets de loi portant reddition exercice 2021 par la vice-ministre, ici en direct de l'Assemblée nationale, il est temps maintenant de suivre les temps forts entre les élus du peuple qui se sont exprimés non comment sur Top 243 News ce mardi, ici en direct de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Oui, mais merci. Vous avez suivi mon intervention tout à l'heure et je crois que j'avais tout dit. Il s'agit d'une loi, d'un exercice important auquel nous avons été soumis aujourd'hui. Il s'agit de quoi? La Constitution exige qu'avant l'examen du projet de loi budgétaire, d'un exercice, il faut réévaluer l'exécution du budget de l'année passée, de l'exercice passé. Et c'est la Cour des comptes qui doit certifier, qui doit produire un document qu'on appelle... cet exercice, la Cour des comptes s'appelle la reddition des comptes, pour voir comment le budget voté a été exécuté. Ils doivent faire des observations et les transmettre à l'autorité budgétaire que nous sommes, l'Assemblée nationale. Et voilà. Et donc, nous avons reçu le rapport de la Cour des comptes, nous avons reçu le projet de loi portant reddition de ces comptes. Et nous avons fait remarquer que ce n'est pas qu'on est contre X ou Y, ce n'est pas qu'on est contre le gouvernement ou pas, il s'agit du gouvernement de la République. Nous avons constaté que la Cour des comptes elle-même, elle est trop critique. Elle est trop critique vis-à-vis du gouvernement.
de la manière, surtout la manière dont l'exécution du budget a été faite. La Cour des comptes conclut que le gouvernement a mal exécuté le budget ou pas du tout. Elle a tiré 17 points. Sur les 17 points, la Cour des comptes n'a relevé que 3 positifs à l'actif du gouvernement de la République. Et la Cour elle-même, dans son rapport, a dit les 17 points, les 14 points restants sont négatifs. Elle condamne déjà le gouvernement de la République. Ce rapport de la Cour des comptes a fait l'objet d'une rencontre paritaire entre le gouvernement de la République, représenté par M. le ministre des Finances, et la Cour des comptes, représentée par son président. Ils ont évalué et le gouvernement a eu l'opportunité de réagir par rapport aux observations de la Cour des comptes. Ils ont signé un procès-verbal attestant cette, consacrant les conclusions de cette réunion. Et la conclusion est demeurée la même. La Cour des comptes n'est pas satisfaite de la manière dont le gouvernement de la République a exécuté le budget de l'exercice passé. Dépassement, introduction dans le budget de la République qui concerne les organismes publics. On a même relevé que le gouvernement a loué des fonds à un établissement d'enseignement supérieur privé qui a été financé par l'État. Il y a beaucoup de choses qui ont été relevées, papa. Et nous, nous n'avons fait que reprendre ce rapport, l'examiner et montrer à la plénière que ce rapport ne valait pas la peine d'être approuvé. Et s'il n'est pas approuvé, les conséquences sont simples. Certains collègues ont préconisé, ont dit que le gouvernement devrait être sanctionné pour avoir mal agi. Nous avons nuancé les choses. Le gouvernement est composé de plusieurs personnes, c'est une structure. Une personne morale, représentée, composée de personnes physiques. Les ministres dans les cas d'espèce. Mais dans, en matière de budget, de l'exécution du budget, il y a deux grands ministres ou deux grands ministères qui interviennent de façon prépondérante, comme je l'ai dit. C'est le ministère du budget qui liquide et c'est le ministère des Finances qui ordonnance. Si le budget n'est pas exécuté tel qu'il a été voté par les deux chambres du Parlement, ces deux ministères ne sont pas étrangers. Et que s'il y avait à sanctionner, on devrait se rabattre du côté de ces deux ministères. Nous nous plaidons pour la non-recevabilité de ce rapport. Mais dans les cas où la majorité vote pour... Bon, dans les cas où la majorité votait pour, et je l'ai dit tout à l'heure pendant mon intervention, j'ai dit, bon, la démocratie, c'est la loi de la majorité. Nous avons une majorité mécanique qui est là, qui va certainement, très probablement, voter pour la recevabilité. Mais il ne faut pas perdre de vue que l'opposition est là pour tirer la sonnette d'alarme. Nous attirons, nous disons, il s'agit du gouvernement de la République. Les choses ont été mal gérées et même le président de la République, je suis presque certain, qu'il ne devrait pas être d'accord avec ce ministre-là. Parce que c'est lui qui est comptable, c'est lui qui est redevable devant. Nous demandons à ce que l'état de droit puisse s'appliquer. Ce n'est pas un problème d'individu, il s'agit du gouvernement de la République. Et que si X, Y, Z a commis une faute qui peut avoir une incidence sur la marche du gouvernement, sur la marche de la République, il y a lieu de redresser les choses. Et la majorité à l'Assemblée nationale, le premier ministre chef du gouvernement et le président de la République devraient, si nécessaire, en tirer les conséquences. Nous venons de recevoir le projet de loi de reddition des comptes de l'exécution du budget du gouvernement central, exercice 2021. Ce projet, avant de nous arriver, est passé par la Cour des comptes, qui est l'institution technique mise à la disposition de l'Assemblée nationale pour nous éclairer sur la gestion des finances publiques. À la lecture du rapport, la Cour note que, 1. Le gouvernement a fourni des efforts pour mobiliser des recettes. Bravo à lui. Mais la Cour note des choses
un peu plus grave en ce qui concerne les dimensions du budget. La Cour relève que notre gouvernement exécute des projets, y compris non prévus dans la loi de finances. Ensuite, qu'il y a par contre des projets prévus dans la loi de finances dans le secteur d'investissement pour lesquels jusqu'à la fin de l'année le gouvernement n'a sorti aucun rang. La Cour relève également qu'il y a des dépassements budgétaires dans beaucoup de secteurs, heureusement sauf l'Assemblée nationale. Il y a même un ministère qui a consommé 445% de son budget. En une année, il fait ce qu'il lui faut pour 4 ans. C'est le ministère du genre, femmes et femmes et enfants. À beaucoup d'endroits, la Cour et nous-mêmes réalisons que le gouvernement dit avoir envoyé autant de montants dans telle circonscription pour tel projet. Mais nous venons de vacances parlementaires, nous avons circulé partout, on ne les a pas vus. Comme à Bukavu par exemple, qui dit que 2021, notre gouvernement a envoyé plus de 9 milliards pour la seule ville de Bukavu. Mais là, je viens de là, il n'y a même pas un pont construit par le gouvernement. La Cour relève également que s'agissant de la dette extérieure et même intérieure, notre gouvernement a payé au-delà de ce que nous devrions et par moments des intérêts supérieurs aux intérêts que nous devrions à nos débiteurs. Et la Cour de conclure que, effectivement, on n'a pas respecté nos remboursements de dépenses. Surtout que les gros de dépenses de l'État sont exécutés en procédure d'urgence, alors que la loi de finances limite à maximum 10% des dépenses générales de la République qui pourraient être éligibles à ce mode-là. La Cour réalise que notre gouvernement est allé au-delà des 30-40% des dépenses de l'État, effectivement, en procédure de rendez-vous. J'ai attiré l'attention de la représentation nationale sur le fait que nous sommes les représentants du peuple auprès des institutions et nous devons nous comporter en conséquence. Nous ne pouvons pas refuser de recevoir cette loi. Ça vient de notre gouvernement. Parce que si nous ne la recevons pas, nous faisons une responsabilité collective. Alors que ce n'est pas tout le monde qui est fautif. Si nous rejetons la loi, tout le gouvernement tombe. Dans ce gouvernement-là, il y en a même qui n'ont pas reçu 10% du crédit leur alloué. Nous les aurions sanctionnés pour rien. Par contre, nous invitons, nous avons sollicité à nos collègues de recevoir ce projet de loi et de créer une commission d'enquête pour vérifier partout où notre gouvernement dit avoir envoyé l'argent, se rassurer que c'est arrivé, combien et selon quelle procédure, et après on devra tirer le compte. Nous ne devrions pas nous faire peur en fait. Une institution ne devrait avoir peur de l'autre, parce que chaque institution a des prérogatives qui lui sont dévolues. IGF, plus actif soit-il, lui aussi ne peut pas clôturer un dossier. IGF peut faire des enquêtes préliminaires, mais il sera obligé de déférer devant les juges. Et vous-même, vous savez la qualité des juges que nous avons. Donc on ne devrait pas nous faire peur mutuellement. Nous devrions, celui qui doit nous faire peur, c'est seulement Dieu. Donc, nous n'avons pas besoin que le gouvernement ait peur de nous à l'Assemblée nationale. Non. Nous avons seulement besoin que le gouvernement respecte les lois de la République. Nous-mêmes, nous devons assurer le contrôle parlementaire. Nous n'avons pas dit que l'Assemblée a tous les pouvoirs qu'il faut. Nous sommes aussi limités. C'est ça le principe de la séparation du pouvoir. Le pouvoir arrête. Nous n'y allons pas avec acharnement ou chercher les coups dans les têtes des gens. Non. Nous faisons le travail qui est le nôtre, le gouvernement doit faire le sien, les cours et tribunaux également. En fait, comme vous le savez, on était en train d'examiner, nous sommes en train d'examiner le projet de loi portant reddition de comptes. Et dans le projet de loi portant reddition de comptes, l'Assemblée nationale a un organe technique qui est la Cour de comptes, qui examine comment le budget a été exécuté, le budget de l'année a été exécuté.
Et moi, je n'ai fait que lire les rapports de la Cour de compte. J'ai vu les résumés. Qu'est-ce que la Cour de compte dit? La Cour de compte dit ceci, il y a une cotation en ce qui concerne la gestion de la dépense publique. La Cour de compte dit qu'il y a eu 3 points positifs. Et les 3 points positifs concernent le même élément, c'est la maximisation des recettes et l'atteinte des assignations par les régies financières. C'est le seul point positif. Donc ça concerne les régies financières. Mais la Cour de compte énumère 14 points négatifs contre le gouvernement. Et les 14 points négatifs énumérés contre le gouvernement par la Cour de compte concernent l'orthodoxie dans la gestion de la dépense publique. Donc la Cour de compte conclut son rapport en disant qu'il n'y a aucune orthodoxie dans la gestion de la dépense publique. Et la Cour de compte dit la gestion sur base, qu'est-ce qui est prôné par le gouvernement, n'est pas réalisée. C'est la conclusion. Si vous voulez aller dans le résumé du rapport de la Cour de compte, vous allez voir que la Cour de compte conclut en 2 phrases. Première phrase, pas d'orthodoxie dans la gestion. Deuxième phrase, il n'y a pas de gestion sur base, qu'est-ce qu'on prenait par le gouvernement. Donc je n'ai trouvé aucun point positif où la Cour de compte, qui est censée, qui est l'organe technique de l'Assemblée nationale, qui est censée vérifier si le gouvernement a exécuté correctement le budget, la Cour de compte dit non, le gouvernement n'a pas exécuté correctement, le gouvernement n'a pas respecté les procédures, le gouvernement n'a rien respecté. Tout seul point positif, les recettes ont augmenté. Comme vous le savez, l'Assemblée nationale est constituée de la majorité et de l'opposition. Moi, je suis un député de l'opposition, donc je n'ai pas la majorité à l'Assemblée nationale. Je n'ai pas la capacité de pouvoir réussir. C'est pour ça que j'ai demandé à mes collègues de la majorité en leur disant, il vous appartient en tant que majorité d'examiner la possibilité si les ministres que vous avez présentés n'ont pas exercé correctement leur travail. Prenez d'autres ministres, c'est votre majorité, désignez d'autres ministres. Nous, on ne pourra que vous appuyer si vous mettez des gens qui sont compétents. Mais qu'est-ce qu'on va encore réexaminer? Puisque ici, on parle de la dépense qui a déjà été exécutée. Donc ici, on ne parle pas du projet, de ce que nous allons faire. On parle de ce qui a déjà été fait. Même si vous mettez en place une commission, qu'est-ce que la commission va voir? Que non, ça n'a pas été bien exécuté, mais la Cour de compte le dit. La Cour de compte dit ça n'a pas été exécuté. Et la Cour de compte nous rappelle, comme je l'ai dit, chaque année, dans l'exercice du budget, nous devons reconnaître, c'est une faute que nous tous, même nous aussi, nous avons eu à le faire, nous devons reconnaître que chaque année, la Cour de compte nous reproche la même chose depuis une dizaine d'années. Chaque année, la Cour de compte nous dit, le gouvernement ne respecte pas les procédures. Et chaque année, le gouvernement nous dit, nous allons améliorer. Mais chaque année, le gouvernement n'améliore pas. Donc c'est devenu un exercice de routine. Nous allons améliorer, mais jusqu'à présent, rien n'est fait. Le déficit. Alors que le budget avait été voté en équilibre, en recettes comme en dépenses, vous remarquerez qu'il y a un déficit criant de plus de 332 milliards de francs. C'est le dépassement des crédits dans les institutions et dans certains ministères. Mais je suis heureux que l'Assemblée nationale prêche toujours par l'exemple. Aucun dépassement pour l'institution Assemblée nationale. Vous savez, qui donne la leçon doit l'exemple. C'est la violation, le dépassement veut dire en d'autres termes la violation de la loi des finances, de la LOFIP. Parce que le dépassement des crédits, c'est une faute de gestion, conformément à la loi qui nous régit d'ailleurs. Et donc, devant ces mots qui reviennent, qui deviennent récurrents chaque année, lorsque l'on analyse la loi portant réédition des comptes, vous constatez avec moi que c'est les mêmes mots qui reviennent. Que devons-nous faire? C'est pour cette raison que nous avons beaucoup plus réfléchi sur les remèdes. Comment remédier à cette situation? Et nous disons, parce que l'Assemblée nationale ou le Parlement est l'autorité budgétaire, et que c'est le gouvernement qui gère au quotidien, et c'est le gouvernement qui fait ce dépassement et consomme.
et il y a la Cour des comptes, il y a moyen que nous puissions nous retrouver dans un triangle pour étudier de voies et moyens à mettre fin à cet état des choses. Parce que vous constaterez avec moi au jour d'aujourd'hui que bien sûr, il y a une mobilisation des recettes qui s'améliore. Mais au même moment, il y a une très mauvaise gestion de ces finances publiques. C'est ce qui fait que nous ne sentons pas la répercussion de cette mobilisation des recettes, des ressources pour le compte du trésor public au niveau des besoins sociaux de base. C'est une piste de solution. C'est une piste. Vous savez, nous avons une mission constitutionnelle de légiférer et de contrôler. Et lorsqu'il y a des abus, lorsque nous faisons les contrôles et qu'il y a d'abus, je vous ai dit ici que le dépassement des crédits, c'est une faute de gestion. Mais il faut sanctionner. Et donc, il nous revient aussi à sanctionner. Certains collègues ont proposé de renforcer les contrôles parlementaires pour éviter cet état des choses. Vous savez, l'IGF n'est pas au-dessus de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale est une institution. L'IGF, c'est un service aujourd'hui rattaché au président de la République. Et donc, il faut que l'Assemblée nationale fasse son travail constitutionnel. J'ai pris la parole pour faire ressortir la difficulté que nous avons depuis un certain nombre d'années maintenant dans l'exécution du budget de l'État. Il faut minorer le coût de la gestion de la trésorerie. Dans la mesure où, en période creuse, l'État, le gouvernement a besoin de recettes et recourt à l'émission des bons de trésor. Mais dans l'entretemps, les moyens décaissés par le même État, le gouvernement, mis à la disposition de certains organismes, particulièrement des organismes qui émargent aux comptes spéciaux. Et dans ces comptes spéciaux, il y a des moyens qui sont mobilisés, qui sont disponibles dans les banques. Et les banques utilisent ces moyens pour souscrire aux bons du trésor sur lesquels elles perçoivent un prix qui est payé par l'État. Donc, voyez-vous, il s'agit de l'argent de l'État qui est prêté à l'État et l'État paye les intérêts là-dessus. C'est un problème difficile à comprendre dans la gestion de la trésorerie. Il y a d'abord, de manière générale dans notre pays, il faut reconnaître qu'il y a un déficit de culture gestionnaire. Il y a un déficit de culture budgétaire. Il y a un déficit de culture de la gestion financière. Et c'est tout cela qui fait que parfois les gens ne s'aperçoivent pas de ce genre de subtilité. Nous en parlons parce que nous avons une expertise en la matière et que nous l'avons déjà constaté. Nous avons essayé d'en parler avec les hauts cadres de la Banque centrale. J'ai essayé de sensibiliser le gouvernement à travers le ministère des Finances pour qu'on arrive à comprendre qu'il faudra plutôt revoir la domiciliation des comptes spéciaux. Faut-il les disperser dans les banques privées ou plutôt les recentrer au niveau de la Banque centrale de manière telle que leur solde vienne en consolidation des soldes des comptes généraux du Trésor. Lors des travaux en commission, parce que la révision des comptes va être versée à la Commission économique et financière, je pourrais avoir de plus amples discussions avec l'administration des finances à ce sujet. Et je pense que le bon sens plaidera en faveur de la thèse que je suis en train de soutenir ici. Mais force est de constater positivement, c'est que il y a eu accroissement du budget, accroissement des dépenses. Ça veut dire sur en 2020, il y a eu plus de 50% en 2021. Ça veut dire les dépenses ont augmenté. On a dépensé suffisamment d'argent. Nous avons constaté aussi avec beaucoup d'intérêt que les assignations qui ont été allouées aux régies financières ont surpris tout le monde au-delà de 200%. Donc les régies financières ont mobilisé les fonds. Et nous avons aussi constaté avec beaucoup d'intérêt que
certaines allocations ont été respectées. Même alors, nous allons maintenant sur le plan des infrastructures. Nous remarquons que, avec intérêt, que la mobilisation des fonds s'est faite à 300%, à 200%. Ça veut dire que les régies financières ont suffisamment mobilisé les recettes. Mais maintenant, où sont allées ces recettes-là? Ils ont été affectés à quoi? Notons d'abord sur le plan de l'enseignement supérieur. Nous remarquons que certaines institutions qui n'étaient même pas prévues ont connu des dépenses. Et ça, ça ne respecte pas la loi financière. Nous notons aussi que nous posons la question, les trop-values que les régies financières ont faites est allées où sur le plan de l'enseignement? Est-ce que ça a été affecté aux nouvelles unités? Est-ce que ça a été affecté à l'investissement, ça veut dire à l'amélioration de l'infrastructure? Est-ce que c'est l'enveloppe de fonctionnement? Ça, c'est au niveau universitaire. Au niveau des écoles primaires, nous avons remarqué avec intérêt que l'enseignement primaire et secondaire a eu beaucoup de fonds. Évidemment, nous sommes tous d'accord que c'est pour la gratuité de l'enseignement. Mais maintenant, cet argent-là est allé où? Le plus-value, c'est à l'achat des bancs, l'infrastructure, l'amélioration de l'infrastructure. Ça a été affecté aux nouvelles unités. Est-ce que ça a été affecté à l'amélioration des conditions? J'ai noté avec beaucoup de larmes l'école Saint-Luango, où les enfants étudient à même les sols. Comment cette école-là de Kinshasa n'a pas été sélectionnée pour être améliorée sur le plan de l'infrastructure? Tout ça, ça fait très mal. Donc, nous devons voir clair. Vous donnez l'essentiel de l'information en 100% en temps réel avec des sources officielles en République démocratique du Congo, mesdames et messieurs. C'est notre devoir de tous les jours. Vous avez l'occasion de nous suivre dans ces nouveaux numéros spéciaux en direct de l'Assemblée nationale sur le projet de loi portant reddition exercice 2021 par les députés nationaux qui se sont exprimés par les dépensements budgétaires par le gouvernement de la RDC. Chacun a donné son point de vue pour améliorer ce système. D'ailleurs, la ministre, la vice-ministre fera son retour dans 48 heures pour s'expliquer, répondre aux préoccupations des élites nationaux. Merci pour votre attention parce que vous étiez très nombreux à nous suivre pour ces numéros spéciaux. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt dans un nouveau numéro d'actualité. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.